Donc deux gros problèmes que je vois chez vous, la sécheresse et le sable, hein, en gros, c'est ça? Donc des sols très fragiles, etc. Et puis en fait, on commence à comprendre que c'est ces systèmes-là d'herbage qui vont gagner la bataille. Alors moi, je me suis spécialisé dans les projets autonomes en protéines. Alors ça s'appelle la vachereuse, vous trouvez ça sur Internet. Et en fait, l'idée, c'est que jusqu'à 8500 litres, vous n'avez plus jamais besoin d'acheter le moindre kilo de protéines. Tout doit se faire avec l'approche fourragère de la ferme. Donc ça, c'est au point, ça marche. Donc ça marche pour tous les élevages, sans exception. Vous avez des chèvres, des brebis, des moutons, enfin des lacones, hein, ou des vaches allaitantes ou des taurillons. En gros, tout ce qui rumine, c'est autonome. Après, si vous voulez produire 15 000 litres de lait et des vaches à 70 litres, il vous faudra un complémentaire, si vous voulez. Et ça, c'est après. Et on ne sait pas trop, parce que peut-être que le dossier de Pierre-Emmanuel Radigue, il faudrait un petit peu l'investiguer. C'est-à-dire rééquilibrer la bouffe, c'est peut-être pas que équilibrer de la MAT, des PDIN et des PDIE. Parce que lui, il parle aussi d'électrons et d'hydrogène. Donc, on a beaucoup de rations qui vont se faire. Du coup, comment on fait des rations? On prend 1 kg de matière sèche et on va l'adapter aux besoins de l'animal, multiplié par sa capacité d'ingestion. Donc, si l'animal mange 3 kg, eh ben, c'est 1 kg équilibré multiplié par 3. Si c'est 10, c'est par 10. Et si c'est 30, c'est par 30. Hein? En fait, ce qui compte, c'est faire ce premier kilo correctement. Et après, vous multipliez. Et donc, quand vous travaillez sur l'autonomie en protéines avec des ruminants, on se rend compte que 100% de la protéine peut venir des fourrages. Et pour que ça vienne des fourrages, vous devez faire des rations équilibrées entre 14 et 15% de MAT. Donc, la matière azotée totale, le taux de protéines totale de votre kilo, c'est entre 14 et 15. À 14, ça marche déjà très très bien. Et si vous avez des vaches en haute productivité, 15, c'est largement suffisant. Faire des rations à 16, 17 et 18 de protéines, c'est tuer les vaches. Elles sont toutes dégommées à la fin. Et donc, comment on fait ça? Ben, en fait, en gros, on va prendre un fourrage très riche en protéines. Et donc, ça se fait soit avec des graminées, soit avec des légumineuses, soit avec un mélange des deux. Et en fait, on préfère des mélanges parce que c'est des systèmes beaucoup plus autonomes, beaucoup moins demandeurs de fertilisation azotée. Si vous n'avez que des graminées, vous devez envoyer de l'azote. En gros, ce n'est pas dur. Une tonne de matière sèche, 30 unités d'azote. C'est la règle. Donc, si tu veux faire 15 tonnes de graminées, de matière sèche, tu envoies 450 unités d'azote. Et si tu ne le fais pas, tu l'as pas. Hein? Ça marche comme ça. Et là, tu as 15-16 de protéines, en gros, hein, dans ton tas. Donc, tu vas être autonome. Avec les légumineuses, ben, tu n'as pas besoin de l'azote, hein, puisque finalement, le système va s'équilibrer. Et si vous voulez avoir beaucoup de production avec un mélange à base de légumineuses, il faut à tout prix que vos légumineuses fleurissent. Parce que c'est quand elles sont en fleurs qu'elles tombent les feuilles et qu'elles renouvellent leurs feuilles. Et donc ces feuilles-là qui tombent par terre, elles vont être dégradées par la biologie du sol et donner l'azote aux graminées qui accompagnent. Donc faucher trop tôt des mélanges herbagés à base de trèfle blanc et de trèfle violet, c'est baisser sa productivité. Hein? En gros, il faudrait y aller toujours en fleur. Et nous, on nous apprend à faire l'inverse, hein? Toujours avant la fleur. Donc n'ayez pas peur, mélanger trèfle blanc, trèfle violet. Le trèfle blanc ne perd jamais, jamais de valeur alimentaire, en fleur ou pas. La protéagineuse conditionne la peau et pas la graminée. La graminée, tu t'en moques. Dans un mélange comme ça, c'est la légumineuse qui doit commander. D'accord? C'est-à-dire, tu vois arriver les fleurs et le trèfle blanc doit être fleuri. Hein? Et c'est là que, justement, il aura déjà mis beaucoup de feuilles par terre et que la repousse va être très rapide. D'accord? Et si tu fauches avant la fleur, il a oublié de mettre ses feuilles parce qu'il n'est pas encore au bon état, à l'optimum de sa capacité de croissance, si tu veux. Et pour les métayes, c'est pareil? Alors les métayes, c'est différent parce que justement, ça perd peu de feuilles, ces trucs-là. Donc globalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a des mélanges fourragers comme ça en prairie. Les luzernes, quand vous avez la place pour des luzernes, travaillez avec des luzernes parce que c'est d'excellents projets.
d'assolement, c'est-à-dire actuellement on construit des assolements à 100% luzerne dans lequel on met une rotation céréalière. Et donc chez les éleveurs, on va mettre un métail fourragé, un métail grain, du blé ou de l'orge dans la luzerne. Et en fait, à un moment donné, tu peux faire ta rotation comme ça. Et ces luzernes, on les garde à vie. Hein, c'est-à-dire, on ne les renouvelle plus. Il faut bien les semer et les garder à vie. Alors la luzerne, elle a un petit secret. Voilà, ça c'est une luzerne. J'aurais dû arracher le pied. Voilà. La luzerne, elle a un petit secret. Quand elle part du pied, en fait, ce qui conditionne sa croissance, c'est un bourgeon, là. D'accord ? Et tous les ans, ce bourgeon qui commande le végétal, il monte. Et quand tu vas le faucher, tu vas tuer la plante. Donc, fauchage, d'accord ? C'est toujours, si vous voulez, faucher haut. Donc, plus vous fauchez haut, plus vous préservez la plante longtemps. Mais un jour ou l'autre, le bourgeon, vous allez le couper. Et là, la luzerne va mourir. Donc à ce moment-là, c'est relativement simple. La luzerne, elle a un pivot. Si tu déchaumes au ras du sol à 2-3 cm de profondeur, elle va se régénérer de son pivot et repartir pour un nouveau cycle complet avec un nouveau bourgeon. Et donc, si vous déchaumez régulièrement une luzerne, vous la tenez à vie. Or, une luzerne, c'est 350 unités de CaO, d'accord ? C'est 300-350 de potasse, 100-120 de phosphore, d'accord ? Et puis 100-120 de soufre, des oligos à bloc, et il faut envoyer un tout petit peu. Hein. Donc c'est fertilisation organique obligatoire, 30 tonnes de fumier tous les ans, sans problème. 50-60 cubes de lisier, sans problème, vous envoyez. Hein. Parce qu'elle demande tellement de PK, etc., que tu dois lui envoyer quelque part. Et si tu ne le fais pas avec de l'organique, minéral obligatoire, bio comme pas bio. Hein. Donc vous allez chercher du paten kali et je ne sais pas trop quoi, hein, de chlorure ou des sulfates de potasse, des choses comme ça. Hein. Alors on a un produit extraordinairement compétitif, c'est le gypse. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui amène du calcium assimilable avec du soufre sans jamais chauler. Donc ça c'est très favorable aux légumineuses en règle générale. Et donc dans ces luzernes, vous pouvez tous les ans sursemer avec des semis directs des métails, par exemple. Pourquoi ? Parce que ton champ, il n'est jamais carré. Donc cette année, je commence à semer comme ça. L'année prochaine, comme ça. La troisième année, dans le coin, donc ça me fait des coursons tout du long. Et en fait, quand tu sèmes toujours dans un autre sens, tu vas toucher tous les pieds qui vont être coupés un jour ou l'autre. D'accord ? Et donc, ils vont se régénérer tout le temps. Donc tous les ans sursemis dans la luzerne. Et un Hutchinson, il abîme plus qu'un semis à disque, par exemple. Tu vois ? Donc en fait, tu les régénères tout le temps. Et pour les régénérer correctement, tu ne commences jamais au même endroit. Parce que sinon, tu vas prendre toujours la même trace. D'accord ? Hein, donc ça, c'est des petites astuces de paysans, mais profitez de vos champs, il n'y en a aucun carré, donc c'est bon. Hein. Je commence à chaque année dans un autre coin. Hein. Et hop, par le coin, par l'autre, et au final, quand tu as fait tous les bouts de champ, tu as couvert le champ. Hein. Donc tu as régénéré ta luzerne, et si tu fais ça tous les ans, tu la gardes à vie. Hein. Alors la troisième plante qu'on utilise, c'est un métail. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que c'est une plante qui a une très grosse capacité de production. On va de 6 à 12 tonnes de matière sèche. D'accord ? Et donc ça pourrait vous sécuriser la totalité de l'approche fourragère. Objectif, 14% de MAT là-dedans, hein, et on aimerait avoir 16, 17, 18, mais bon, déjà 14, on joue, parce que finalement, ça va nous permettre une ration autonome, 60 à 70% de fourrage, riche en protéines, donc à 14-15%, donc c'est 0,7 x 15, plus une céréale qui fait entre 10 et 12% de MAT. Donc du coup, tu auras entre 30 et 40% d'une céréale, donc à 12% par exemple pour du blé, qui vient rajouter de la protéine sur la protéine du fourrage. Et donc ces rations-là, vous les menez jusqu'à 9000 litres ou 8500 à tous les coups, et vous avez des taux d'amidon qui restent faibles globalement dans la ration, puisque c'est la quantité d'amidon que vous contrôlez le mieux. Et donc ça fait des 20, 22, 18, 24% max d'amidon, même ce que vous ayez mis 8 kg de maïs épi dedans, hein, en matière sèche. Hein. D'accord ?
Et donc on a appris un petit peu à jongler avec ça. Je cherche d'autres fourrages qui soient en ration complète, c'est-à-dire on travaille ces mélanges à base de maïs pour faire un fourrage unique là. Alors ça, c'est pas encore au point, mais bon, je vous expliquerai ça après. Donc du coup, notre ration, notre kilo, on le met en place. Donc il faut qu'il ait 60 à 70% d'un produit autour de 15 de protéines. Si j'ai des chèvres, je dois monter à 16. Si j'ai des brebis, je dois monter à 17. D'accord ? Donc brebis, luzerne obligatoire, hein, quasi. Et après, dans ce kilo que vous amenez, vous devez amener une fibre. Donc une fibre qui est dure. Voilà, ça c'est la fibre que l'animal a besoin pour ruminer. Donc ça, il vous en faut 300, 400, 500 grammes dans une ration. Pourquoi cette fibre-là et pas de la paille? Parce que cette fibre-là, elle est pleine, d'accord? Si elle a séché, elle est dure, elle est lignifiée. Et donc comme elle est non creuse, elle est pleine de bois, c'est du bois quasi, elle va flotter dans le rumen, dans la bouillie du rumen. Et à chaque fois que l'animal bouge, ça fait comme un bateau, tu sais. Et donc ça vient exciter toutes les villosités du rumen. Et donc c'est efficace tout le temps. D'accord ? Tant que l'animal ne l'a pas ruminé, c'est efficace. Hein ? Et donc si vous avez ça dans un bol alimentaire et que la vache en mange un peu tous les jours, ben, c'est efficace H24 dans le rumen. Donc ça fait, ça c'est la première santé de l'animal, la rumination. Et donc on a beaucoup de déboires avec des pâturages trop tendres où il manque ces fibres-là. Donc il faudrait que les bêtes, avant de sortir au pâturage, elles mangent un foin avec des fibres dures. C'est, ou alors un ensilage comme ça, où on essaye de faire des fibres dures dans cet ensilage-là, hein, de façon à ce qu'avec 4 kg d'ensilage de maïs qui contiennent de la fibre, ça va un petit peu mieux. Et la fibre dans le maïs, elle vient de deux plantes, par exemple le tournesol. Quand il va être coupé à l'ensileuse, il va faire cette fibre-là. Une autre plante extraordinairement efficace à l'ensileuse, c'est celle-là. Parce que vous avez une super fibre ruminale, donc ensilez des chénopodes et vous aurez une meilleure santé de l'animal. Amarante, même combat. Et quand on a enquêté sur le chénopode, ça s'appelle un quinoa, d'accord, pour un vegan, 20% de protéines comestibles. Donc si c'est comestible pour moi qui peux manger ça comme de la salade, d'accord? Pourquoi pas une vache? Et l'amarante c'est pareil, et en plus l'amarante elle est sympa avec les paysans, parce que c'est une plante qui a les meilleurs acides aminés, un profil acide aminé exceptionnel. Donc ce sera très favorable à la santé du troupeau. Donc ensiler un produit comme ça où il y a tout dedans, aucun problème. Il n'y a que le gars qui est sur la machine qui râle, d'accord? Parce que ça reste un petit peu bourré au pied. Hein. Donc il dit, ben, ils ont qu'à nous arranger les becs un petit peu. Hein. Donc ils ont qu'à mettre une scie plus efficace. Hein. Donc, mais ça, les gars de la mécanique, à force de leur faire ensiler ça, vous êtes sûr que classe l'année prochaine, il vous a fait le bec qui va bien. Hein. Donc vous occupez pas d'eux. Hein. Donc à un moment donné, ils vont répondre. Donc on a commencé à mélanger tous ces produits-là. Et donc on se fait un métail par exemple qui fait un tour en hiver. Et on va le récolter le plus tard possible, fermé, début juin, pour aller chercher de la productivité. Et ce métail, c'est de la févrole, c'est un tuteur MAT, d'accord, qui devient haut comme ça. Et donc cette févrole, c'est une plante indéterminée. Tant que le soleil ne l'a pas tué, elle fait des feuilles et des fleurs, des feuilles et des fleurs et des feuilles et des fleurs. Dans ce tuteur hématé, vous mettez une liane, donc c'est une vesse ou un poids fourrager qui s'enroule autour. Et comment on contrôle la vesse et le poids? Il faut que le tuteur monte en même temps que la liane. Parce que quand la liane arrive au-dessus des plantes, elle court à plat et elle va tout coucher. Et donc une céréale, elle est à épiaison entre début mai et mi-mai. Donc si la vesse passe dessus, tu ne vas pas très loin après. Obligation de récolter. Par contre, si tu as une févrole qui pousse jusqu'à la mi-juin, qui monte, eh bien la liane, elle est tenue de monter parce qu'elle veut battre le tuteur. D'accord ? Et donc elle s'étale moins tout en faisant du fourrage et des feuilles. Donc elle vous tient de la MAT dans le mélange. Pigé ?
Ensuite, on met une troisième plante, c'est de l'avoine, parce que l'avoine, c'est la meilleure plante fourragère du monde. Hein. Et donc, dans la valeur fourragère, l'avoine nue, l'avoine noire tétraploïde qu'on a. Puis ensuite, c'est le seigle, le triticale, l'orge et le blé. Le blé, c'est la plante qui vaut rien. Hein. Faire du fourrage avec du blé, c'est juste se tromper de métier. Quoi, hein. Le blé, c'est le grain et c'est la paille, hein, mais pas de fourrage. Hein. Parce que vous donnez du blé ensilé à manger à un animal, il ne profite pas. Alors, il ne meurt pas, mais il ne fait rien. Hein. Donc, alors, si vous voulez leur sauver la peau, vous le faites. Mais faire, par exemple, de l'ensilage de blé immature, c'est zéro performance pour un troupeau. Donc ça, il faut le savoir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aucun troupeau qui fait de la performance avec du blé. Donc on l'a complètement sorti du débat, c'est pour la moisson, et on va garder l'avoine comme approche principale. Et ensuite, on a besoin de garnir un petit peu le pied de ces plantes qui ont tendance à monter. Ça se fait avec du trèfle, et le meilleur trèfle de tous, c'est le trèfle de Micheli. Donc ça s'écrit Micheli, hein. Parce que bah, c'est un trèfle qui tient les pieds dans l'eau, qui supporte l'hydromorphie, qui va assez vite, qui s'installe bien à l'automne, et qui est très, c'est un des premiers en fleurs au printemps. Il a une très bonne odeur, et il attire énormément de biodiversité. C'est très mellifère pour les abeilles, et donc à partir, on va dire, de début avril, il pourrait être en floraison, et il va être en floraison quasi un mois, donc ça marche bien, jusqu'à mi-mai, et après il va commencer à faire de la graine. Et donc c'est un très bon trèfle qui finalement se plaît très très bien dans les mélanges. Et donc ça, on va commencer à le faucher, mi-mai, fin mai, voire début juin. Et donc plus vous le laissez pousser, plus vous aurez de rendement. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, on a un vrai plan de fumure pour une culture où on veut aller chercher 8, 9, 10, 11, 12, voire plus tonnes de matière sèche. C'est-à-dire que l'idée avec la sécheresse, c'est qu'on ait récolté et fait le stock avec cette récolte-là. Et après l'été, on verra bien ce qui va se passer. Donc, comment on fait ça? Eh bien, plan de fumure, fumier lisé à l'automne. Donc les 20 à 40 tonnes de fumier, vous n'hésitez pas. Les 40 cubes de lisier, vous envoyez. Et du coup, on a commencé à imposer, alors c'est moi je dis, je vais vous imposer le traitement des fumiers et des lisiers. Hein. Traitement biologique par la bactériologie, les bactéries lactiques, obligatoire pour améliorer la qualité des lisiers et des fumiers. Parce que sinon, ils sont trop riches en ammoniac, ils sont stockés en aérobie, et ils sont toxiques pour la biologie du sol. Donc là, il faudrait travailler avec Pierre-Emmanuel Radigue, mesurer le pH redox de ces fumiers-là. On aurait des vraies surprises. Et donc ces fumiers qui sont mal gérés, ils sont riches en ammoniac. L'ammoniac, ça s'évapore, et quand vous l'étalez, ça brûle les plantes. Donc vous perdez l'azote, donc c'est quand même couillon, et c'est un très mauvais produit. Alors que si vous le traitez avec les bactéries, vous allez fabriquer de l'ammonium et de l'organique, qui est le bon produit pour le sol, sans perte du coup. Donc vous enlevez les odeurs, vous améliorez la bactériologie globale de l'étable, l'ambiance. Vous, quand vous rentrez dans l'étable, vous puez plus l'ammoniac. Mais c'est formidable, tu changes l'ambiance d'un éleveur. Et donc ce travail à faire sur le traitement des fumiers et des lisiers, on devrait le rendre obligatoire. Alors, je ne sais pas comment faire, parce que dès que tu rentres dans une ferme, on te dit, mais non, ça ne sert à rien, parce que c'est absolument pas vulgarisé. Alors, vous avez des EM, des bactéries lactiques, des méthodes biodynamiques, des purins de plantes, enfin, il y a plein de trucs qui fonctionnent, hein, lâchez-vous. Hein. Et donc, dans ces débats-là, avec la fumure organique, dès que vous avez semé, on sème assez tôt, 15 octobre, dernier délai. Plus vous semez tôt, plus vous avez de rendement au printemps, mais plus vous semez tôt, plus vous vous exposez à avoir des plantes malades. Donc on pourrait avoir des pucerons, mais ça c'est pas très grave pour vos métayes, donc là on s'en tamponne. Mais vous avez des problèmes principalement de maladies fongiques, c'est de l'anthracnose et des oïdiums qui arrivent. Et des fois du botrytis, mais très peu, anthracnose généralement, et parce que vous avez des automnes qui pourraient durer de ce temps-là jusqu'à Noël, on a déjà vu ça.
C'est-à-dire pas de froid, pas de chaud, pas trop de pluie, régulièrement une petite averse, mais de la rosée, de la brume régulièrement. Et donc ça, l'anthragnose, c'est entre 12 et 18 degrés maladie. Donc ça veut dire que toutes vos protéagineuses et légumineuses vont tomber malades et vous allez les perdre. Donc interdiction de les perdre parce que vous les avez semées. Le semis vous coûte 150 euros minimum l'hectare. Donc vous avez investi de l'argent plus la fumure. Donc il va falloir protéger les plantes. Et on les protège à base, c'est le soufre et les oligos, l'entrée royale pour la protection des plantes. Fumure azotée, azote soufré au printemps pour démarrer tout le monde. Plus à nouveau, protection, allez sur la fin mars, là, par là, avec oligo et algues pour faire booster tout le monde. Et là, vous allez jusqu'à la récolte après. Donc, il y a un vrai plan de fumure et de gestion des plantes pour les avoir en bon état, en bon rendement, jusqu'à la fin. Et le dernier travail qu'on mène, donc ça, on peut sursemer dans les luzernes, les trèfles, etc. Et le dernier travail qu'on mène, c'est celui-là. Donc là, vous avez un maïs qui a été semé mois de juin et juillet. La partie la plus verte du milieu, c'est le deuxième semis du mois de juillet, d'accord ? Début juillet, ça a été arrosé et on voit que c'est semé avec un semoir céréal en plein. Donc on a commencé à faire des mélanges parce que l'idée, c'est d'avoir des mélanges qui nous montent à 14-15 de protéines aussi. Donc là, il manque une légumineuse. Pour faire ça, on pense que la meilleure légumineuse, ça pourrait être une veste. Alors on cherche le bon type génétique qui puisse s'ensiler quand même, parce que la veste, si elle prend le dessus, ça fait des filasses à des kilomètres. Donc là, les gars, déjà ils râlent parce qu'il y a de l'herbe aux pieds, après ils râlent parce que ça vient plus bien dans les becs. Hein. Et donc ces mélanges céréaliers à base de maïs fourrage, ils ont un gros avantage. On pourrait leur mettre de la fibre de haute technologie pour faire ruminer, tournesol, mais ça pourrait être kénopode et amarante. Et donc qui nous empêcherait de semer du quinoa et de l'amarante dans un champ de maïs? Question. Hein? Alors le kénopode, il vient tout seul, il suffit de faire des nitrates. Hein? Vous travaillez un peu, pam, vous avez des nitrates, ça pousse. Hein? Donc à la limite, profitez du kénopode. Hein? Donc ça c'est le premier enseignement. Le kénopode, c'est 20% de MAT, une amarante 24%. Hein? Donc vous pouvez mettre de la protéine dans un tas de maïs avec ces deux plantes-là. Mais il faudrait qu'elle soit la moitié du mélange. La fibre avec le tournesol très favorable à la biodiversité, une fleur dans un champ de maïs, exceptionnel pour un écologiste. Eh, on communique un peu, hein, c'est ça. Et du coup, on cherche d'autres plantes qui pourraient aller avec. Donc, dans le sud de la France, on teste un produit avec succès qui s'appelle le Lablab. C'est un haricot, c'est dioïque, c'est la dioïque d'Afrique. De l'ouest, et globalement, il est trop tardif pour vous. Donc là, on surveille s'ils vont pas nous sélectionner des plus précoces, mais on a des soja fourragés géants, ça monte haut comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé ça, j'ai un adhérent de la Vachereuse qui est au Maroc, qui a ça. Importé des États-Unis, introuvable en France, mais lui, là, au Maroc. Donc on est en retard dans le développement, et puis quand il me montre son soja, ben, il est haut, ben, il fait à peu près cette taille-là. Donc un soja fourragé là-dedans, vous auriez un beau soja. Donc, et un soja que vous ensilez entier, il a cette fameuse fibre à nouveau, parce que c'est comme une tige dure, hein, c'est comme un haricot un peu. Et un soja que vous ensilez, ça fait 20% de MAT. Donc on pourrait, avec ce genre de stratégie, plus le plan de fumure adapté, soufre et oligo, eh bien, semer en plein, terminer, et on laisse tout venir. Et plus vous allez mettre de monde, plus vous allez avoir une culture propre. Parce qu'en fait, ce qui s'allie, c'est les rangs. Puisque entre deux rangs, la lumière, elle touche un sol travaillé, levée de dormance, salissement. Créer des forêts vierges, ce sera beaucoup plus propre. Alors après, on nous dit, oui, mais ça va coûter cher, la semence. Oui, mais s'il n'y a plus qu'à semer, mettre de la semence, plus de désherbage, plus de bineuse, plus de phyto, plus de machin, tu as gagné énormément d'argent par la suite. Moins de passage, etc., etc. Je sème, je fertilise, je récolte. Et donc ce travail-là, il sert à apprendre ça. C'est-à-dire que, ben, on va commencer avec des vaches allaitantes, parce qu'elles ont moins de besoins. Et là, on peut faire une analyse à peu près sereinement.
Et donc, en fait, les premiers mélanges comme ça font 12 de MAT. Donc, c'est pas mal. Hein. Et tous les paysans qui ont commencé, là, j'en ai pas mal dans le sud-ouest, là, globalement, c'est le gros axe de bataille, maïs, lablab, entre 10 et 12 de MAT, tous continuent. Un gain énorme sur la santé de l'animal. Pourquoi ? Parce que la tige du lablab, du haricot, c'est cette fibre-là. Donc, si vous avez des questions. J'ai mis du lablab sur toute la France déjà. J'ai toutes les fiches techniques. En fait, Sud-Loire, sinon c'est mort. Je vois, on a arrêté ça parce que au nord de la Loire, c'est vraiment compliqué. Et je dirais, c'est une ligne Niort-Lyon, si tu veux, en dessous. Et surtout pas ici, parce qu'on est déjà dans l'altitude et le climat un petit peu bizarre. Quoi. Ouais. Voyons, mais bon, on peut pas dire autre chose. Hein. Donc, pour ici, on pense que les vesses, elles ont un coup à jouer, mais probablement les amarantes et les chénopodes. Hein. Et donc, je cherche de la semence de ces produits-là. Mais les Suisses ont de la semence d'amarante, visiblement. Donc, il faut que j'enquête un peu. Donc, les Suisses étaient un petit peu moins frileux que nous dans le débat du développement. C'est des plantes qu'ils essayent assez facilement.